Déclaration du Forum national de la jeunesse SORUIS, en abrégé FNJS, relative à la condamnation par contumace du président de Génération et Peuple solidaire, son Excellence Guillaume Kibafouri Soro. Le mardi 28 avril, le FNJS, comme tout autre Ivoirien, apprend avec étonnement le jugement par contumace du président Guillaume Soro avec un verdict de condamnation de 20 ans de prison ferme, privation des droits civiques et une forte amende pour soi-disant un recel et blanchiment de capitaux. Le FNJS dans son ensemble s'interroge d'une telle façon de faire la politique, surtout qu'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, instance internationale panafricaine dont la Côte d'Ivoire est membre signataire, avait rendu publique une décision demandant la suspension du mandat d'arrêt lancé contre le président Guillaume Soro et la liberté provisoire des députés et cadres de Génération et Peuple solidaire arrêtés depuis le 23 décembre 2019. Le monde de façon générale, et la Côte d'Ivoire particulièrement, fait face à la pandémie du Covid-19, dont les résultats laissent toujours à réfléchir. C'est en cette période que les tenants du pouvoir actuel trouvent le temps de condamner le candidat Guillaume Soro et manœuvrent pour éliminer les opposants politiques au scrutin présidentiel. Le FNJS condamne avec fermeté ce genre de pratique qui relève d'une autre époque. Nous appelons au respect de cette jeune démocratie acquise auprès de plusieurs sacrifices. Nous demandons le respect du peuple ivoirien en cette période du Covid-19, mais surtout le respect des accords internationaux et leur application. Le FNJS apporte son soutien au président Guillaume Kibafouri Soro et à l'ensemble des membres injustement emprisonnés et exilés dû au fait de cette dictature. Continuez le travail du terrain politique en inscrivant les membres et les sympathisants sur la plateforme de Génération et Peuple solidaire et surtout la création des comités locaux citoyens. Nous accentuerons la sensibilisation et le soutien aux populations vulnérables dues au Covid-19. Le FNJS rassure la jeunesse de la candidature du président Guillaume Kibafouri Soro à l'élection présidentielle de 2020, comme souligné dans son intervention au lendemain de cette parodie de justice. Fait à Abidjan le 1er mai 2020 pour le FNJS, le porte-parole Koulibaly Daouda.